Les ressources naturelles au niveau de landscape plateau Batéké, nous avons un paysage de forêt et les savanes. Nous avons plusieurs cours d'eau qui prennent leurs ressources au niveau des plateaux Batéké et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on appelle cette zone château d'eau du Congo. Les forêts de la zone sont en train de subir une grande pression parce qu'il y a des grandes migrations des populations qui viennent. Et en plus, il y a aussi les sieurs pirates qui se sont installés et les forêts sont en train vraiment de régresser. Nous avons un grand changement, sur le climat. Nous traversons un climat contraire. Autant de pluie, c'est le soleil. Autant de soleil, c'est les pluies. En période de plantation, c'est la sécheresse, c'est une perte. Parce que vous n'allez pas rien planter, vous ne pouvez rien gagner. Toutes les activités que nous pouvons mettre en place dans ces villages doivent être suivies. Et c'est pour cette raison qu'il est déjà mis en place une plateforme qui travaille en étroite collaboration avec les différentes communautés de base. Bonjour le frère. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là, on a beaucoup de problèmes tels qu'il y a disparition aussi des gibiers qu'on sort. Donc ce sont des choses... La plateforme travaille avec les communautés de base, respectivement les populations qui vivent dans les périphéries des aires réservées. Monsieur le Président. Oui, nous sommes là en train de discuter sur les problèmes du village tels que la disparition des animaux, d'autres espèces des animaux. La dévastation des forêts, ce sont des choses qui nous posent problème. On essaie d'étudier ensemble avec les populations les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes sanitaires, les problèmes environnementaux et les conditions de vie de ces populations. Qu'est-ce que vous envisagez faire pour que ces espèces-là vivent et qu'on retrouve ça? On a l'idée en tête qu'on peut faire des élevages. Seulement l'élevage, c'est tout ce que vous envisagez faire? J'ai commencé à reboiser, à planter des arbres fruitiers tels que les safoutiers. Il faut le faire en savane, mais pourquoi tu as seulement préféré de venir faire sans forêt? Ce que je te conseille, c'est de ne plus travailler ailleurs, de s'arrêter seulement là où tu as déjà fait. Parce que si tu évolues encore ailleurs, tu vas d'office encore détruire la forêt. L'élevage aussi, ça demande
des moyens, parce que je vois les gens qui ont élevé des cabris, des porcs là, qui ne sont pas parqués, et ça va détruire les plantations des gens qui sont proches du village. Je pense qu'il faut avoir des moyens pour faire des élevages et créer des coopératives. Je pense. Nous n'allons pas peut-être attendre seulement l'aide qui va quitter de l'extérieur. Nous allons créer nous-mêmes des alternatives qui feront que nous puissions protéger l'environnement. Pendant la saison sèche, l'eau est difficile. Nous parcourons 4 km pour l'avoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Ganaigo Chumbola Maya, vraiment, Maya passe moyenne. Dans ton zoo, mon passe n'est lango. Liboso, tu vends que Chumbola à 2 mètres pour la dose Maya. Mais si tu vends que Maya, il faut Chumbola même à 6 mètres, président. Tu as l'ouka bateau, tu as l'ouka bateau. Le gouvernement doit faire un transfert de gestion vers les communautés de base et tout en mettant en place le système d'ISC, ça veut dire communication, éducation, information. Monsieur le président de la plateforme, voilà ce qui se passe dans nos villages. Les gens ont l'autorisation depuis le département et ils viennent, ils rentrent en forêt. Le chef de village n'est jamais informé. Alors comment on peut exploiter les biens dans une localité donnée sans que l'autorité de base soit impliquée? Vous émettez le souhait que vous soyez impliqué en tant que communauté de base dans les décisions d'exploiter vos ressources naturelles. Je pense que la plateforme est mise en place pour régler ces questions. Je vais toucher les autorités et on va regarder la possibilité de vous impliquer désormais. Ce que nous avons déjà financé, ils ne travaillent pas dans la forêt, ils sont dans la savane. Et ceux qui font l'élevage, ce n'est pas aussi dans la forêt. Et dans la savane, il faut dire aussi. Carpe, c'est notre principal bailleur. Et donc, tout ce que nous faisons doit cadrer avec la vision de Carpe. Et comme c'est la principale vision, c'est la lutte contre la perte de la biodiversité. Et donc, toute l'action que nous menons doit être focalisée dans ce sens-là. Nous sommes en train de conseiller les populations à comprendre la nécessité de conserver leur milieu environnemental, étant donné qu'elles dépendent de ce milieu. Bon, merci Nabino pour Naboyambio, Boyambi Bissawa. Lélo, Togosolo, la moquée Nabino pour la Makambouyo, ou Bazobinga, changement climatique. Donc, Mbongwana et Mokili. Ba maman, Tolia Kawabiso Makasi Nabiso, na Kwanga. Kwanga ou Tolia Kawoyo. Pour nous relier en Oué, Sengele Zalana Makasa, Oyo, Tokanga Kwanga. Est-ce que Makasa na Zamba, na Moué Lélo, Bozo Zouaka en Ouana Ndinga Kala? Kadipa, Bapanga Machoa Makaragui. Le futur des ressources naturelles dépend du comportement de tout le monde. Les populations environnantes, les communautés de base elles-mêmes qui dépendent de ces ressources, qui ont l'intérêt de les conserver. Et dans leur action, si c'est une action négative, ça veut dire qu'on risque d'assister à une catastrophe dans quelques années. On sait que si on coupe les bois, on est en train de brûler, on est en train de détruire l'écosystème. Mais comme nous n'avons pas de revenus, on est contraint. Quand nous faisons le séminaire avec des villageois,
ils acceptent qu'ils sont prêts de changer, de ne plus chercher à aller dévaster des forêts s'il y a des moyens financiers. Nous allons maintenant passer à la phase de reboisement. Nous allons nous mettre tous à replanter la forêt pour faire naître encore les arbres et pour faire montrer à nos enfants. Parce que nous les détruisons, les enfants qui viendront ne verront plus les forêts. Na lingine ba bongsa biso esobe. Obiso soko to bandolia ne sobe. Solution est tellement ma utare bietara i ubuolo. Ubuolo ba le tabia mu bati levage. Uli bi babara ba ubuolo. Na yuli buoli lo antui antaba angulu. Bien bien jalfi. L'état doit remettre la gestion des ressources naturelles aux mains des communautés de base. Parce que c'est elles qui comprennent bien les changements qui sont en train d'intervenir dans la zone. Donc l'implication des communautés de base pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très, très important. Homo sapimoko et sukule lungite. Et donc on a battu mitano motuba zumi. Moi, parc où tu es seul, tu vas quatre banzete, tu vas piquer, tu vas piquer, tu vas piquer, tu vas piquer l'aide, kulukabilia ya bangulu, na ya bantabepe, bangupe bakota, baya nango, ba lili sabantaba. Yali po na ngamoko na kokapete. Uban ba ya kungulu, uboka yuko ukalga yuko liwalo yuko wa kumunjalo yuko wa jamu la moshika wapo, yuko jamu la moshika. Il a vu, 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 il a vu.